Salut la One Family! Aujourd'hui on parle de l'Eniripsa Kokoro. Alors c'est quoi l'Enikokoro? C'est un Eniripsa qui se donne du shield. Pour faire très simple, quand tu vas taper, tu vas te mettre des points boucliers, et avec ces points boucliers, tu vas taper plus fort autour de toi. Un peu comme le Yop Juste Lame. Mais pour faire un petit peu la distinction, le Yop Juste Lame va beaucoup plus se shielder, mais il va moins profiter des shields qu'il a sur son perso. On va davantage en profiter avec l'Eni parce qu'on va faire à chaque fois être déclenchable autour de nous. Un petit peu comme le Yop Kasai, vous voyez, à chaque fois il met un état, ça fait des explos autour de lui. Bah là c'est pareil avec le Kokoro, sauf que c'est en fonction de nos shields. Alors, avant de parler du deck, pour ce qui est des compétences, on va jouer la frappe Kokoro et aussi le recyclage Kokoro qui nous permettra de rapidement avoir nos compagnons. Et c'est un perso, on a besoin d'avoir beaucoup d'attaques, puisqu'en fait, l'armure qu'on gagne grâce à notre passif soutien s'applique en fonction de notre attaque. Si t'as pas d'attaque, tu vas pas gagner beaucoup d'armure. Donc c'est compliqué, il faut un deck avec un maximum d'attaque. Et du coup, ici, je mets juste un stack en vita, tout le reste partira en attaque. D'ailleurs, je suis niveau 37, donc il faut encore que je gagne quelques levels, et je suis en leveling. En général, sur le Kokoro, je vous le dis, on préférera un deck 15 pour torcher des très hauts niveaux. La raison est simple, c'est pas un perso le Kokoro qui peut torcher tout un combat comme l'Expingol en 3 tours. Il a besoin de davantage de temps parce que il faut qu'il puisse mettre ses compagnons, il faut qu'il puisse avoir les bons sorts soutien, etc. Et c'est vrai que sur un deck 15, on a ça tout au long du combat, même si le combat dure 6 tours. Là où je préfère un deck 12 ici, c'est que je suis en phase leveling, comme je vous le disais, et donc j'ai besoin de faire des combats en un minimum de temps. Et le deck 12 me permet de cycler sur 2-3 tours fast. On gère pas niveau 100 en 3 tours, on pourrait, mais il faudrait peut-être avoir un petit peu de chance au niveau de la pioche et au niveau du placement des mobs. On va systématiquement faire des mobs niveau 82, par exemple, mais ils seront gérés en un minimum de temps, grâce à une rota qui est vraiment travaillée pour être la plus optimale possible. Donc au niveau des sorts, on va jouer avec beaucoup de spells soutien. Les compagnons, on joue avec deux pioux, très important les pioux, vous verrez pourquoi. Et avec ça, on rajoute loup et chuchir. Et au niveau des équipements, on joue le brass arrogant, l'anocillation qui fonctionne bien avec, l'anocif et le culaire ainsi que l'obstiné pour profiter de pas mal de points d'action en réserve et de deux spells supplémentaires dans notre pioche au tour 1. Bon, je vous montre où ça donne peut-être sur des cochons. Comme ça, vous avez un petit peu plus d'habitude. Et après, peut-être qu'on partira au work pour changer. Alors moi, le Kokoro, c'est un perso que je suis en train de monter pour faire du multi. Mais comme je vous le disais, des combats de 5, 6, 7 tours, je suis un peu fatigué, quoi. Donc, je préfère faire des combats 82 que je gère en un minimum de temps, peut-être 2 minutes, 3 minutes. Comme ça, je peux enchaîner plus facilement les combats et en fait gagner sur long terme beaucoup plus de points d'expérience que si j'enchaînais les combats niveau 100 un petit peu plus tryhard avec un deck 15. Donc ce qu'on fait au tour 1, c'est qu'on met toujours le Rufus. Rufus, c'est un compagnon en quelque sorte qu'on a dans notre deck toujours au T1 parce que c'est un spell d'éther qui est prévu à cet effet. En fait, le Rufus, il vous permet simplement de mettre facilement vos spells soutien. En gros, ces spells, il faut les mettre sur une entité alliée. Donc si on n'a pas de compas, parce que forcément, dès le départ, t'as pas de jauge à placer, bah c'est impec parce que derrière, tu peux quand même faire des spells soutien grâce au Rufus. Donc ici, je mets Tika. Tika va me permettre derrière d'avoir un sacrifice Kokoro cohérent. En gros, je tue mon compagnon, ça me permet derrière d'avoir de la jauge d'éther pour invoquer loup. Donc là, on est T2, je peux déjà mettre tout un tas de trucs sur le terrain. Bah d'ailleurs, est-ce que je le fais instant, sachant que j'ai 3 mains autour de moi? On pourrait, donc je vais mettre loup, même si ça me permet de choper seulement 2 spells ici à 2 PA au lieu de 3, on active la réserve, et là vraiment on mitraille. Donc je peux faire prévention, qui me donne aussi de la pioche, je peux faire cette action, je peux faire la fiole de rebond, ok, et on termine avec un lien d'amitié je pense. Non, je vais peut-être utiliser ma réserve pour faire un cœur brûlant, impec. Et là on est T2, et j'ai déjà clean 3 mobs. Et voyez, c'est quand même hyper fast. Ah, je me suis trompé, il reste 129 HP sur ce mob. Donc avec tout ça, bien sûr, plus le combat dure, plus on a de shield, parce qu'en fait, on met des compas et les mobs vont focus les compas, vous savez très bien. Donc on garde ses shields, et grâce à ses shields, bah on fera beaucoup plus de dégâts derrière. Donc ici, on tape, on s'en fout. Là, on tape pour choper des shields. Ok. Derrière, je vais essayer d'invoquer rapidement Chuchir. Qu'est-ce qui me manque? Il manque du violet ici. Hop, donc lui, on peut le tuer, je pense. Moins 9, pour le dégât de sort, c'est toujours pas ça. Je mets Chuchir, et Chuchir me permet d'avoir des points d'action réduits sur les actions que j'ai dans ma main. Donc avec ça, je peux faire lien d'amitié, et une urgence qui va faire une téléportation de mon compagnon. Il va rester juste un mob, avec 20 HP, je pense. Donc je mets Tika, et je l'achève. Et vous voyez, c'est un combat que j'ai géré en 3 tours. 2 minutes 29, j'ai pas géré le chal. Bon, c'est pas grave. Et du coup, c'est ma strat actuellement avec le Kokoro pour passer rapidement au level. Allez, contre les Bwarks. Niveau 82, c'est vraiment des mobs sympas, les Bwarks, je trouve. Ils font pas grand-chose, hein. Bah, ils tapent fort, effectivement, ils tapent fort, mais la zone est sympa, et surtout, ils rushent en mêlée.
Donc tu peux très facilement faire des zones. Le Rufus, on le met de côté, c'est impec. L'idée, c'est toujours de poser le Rufus pour pouvoir rusher autour d'eux dans la mêlée, parce que des fois, il y a des spells soutien, on a besoin que l'allié qu'on cible soit proche d'un adversaire, mais il faut pas forcément se faire torcher tout. Hein. Donc là, c'est bien, il y a toujours une case de distance, et généralement, ça passe, quoi. Bon, alors du coup, Rufus, on le fait rusher ici. Là, je vais taper lui, plutôt. Impec, j'ai une zone avec 4 mobs autour de moi, donc là je peux mettre la totale. On va mettre le haut stimulant pour invoquer le piou bleu. Le piou bleu qu'on passe où on veut, de toute façon le piou bleu. Vous le savez, on sacrifie avec le sacrifice Kokoro que j'ai réussi à choper. Impec. Je vais pouvoir peut-être dégager un sort avant de mettre loup. Comme ça on pourra vraiment profiter d'avoir un maximum de spells à placer. Donc toi, je te replace parce que j'ai juste besoin que tu dégages de mon deck. On met loup, on essaiera aussi de choper un petit peu de réserve avec ça. On va mettre un spell soutien ici, le mot stimu derrière, on utilise la réserve. Il me reste combien d'actions à mettre là? 3 PA. Bon bah juste un spell quoi. Ça, et ouais plutôt ça je pense. Parce que le but c'est invoquer aussi rapidement Chuchir. Bon du coup, qu'est-ce qu'on a? On a deux mobs qui sont morts, un lui reste 140 HP, l'autre 69, c'est impec. Donc là on est tour 2, encore une fois tout est clean. Alors il faudrait peut-être que je pense à placer mes compagnons davantage autour de mon passeport. En tout cas, de sorte à ce que les mobs puissent être rapidement paqués, quoi. Ok, bah c'est bien. Ils font les effets où ils dashent sur mes compas. Et du coup, je me retrouve avec encore une fois 3 mobs autour de moi. Non, vraiment, les voir que bonne technique, je pense, pour XP. Allez, ici on tape, on peut faire ce spell qui, je pense, va me permettre d'invoquer Chuchir, sauf si j'ai fait une connerie. Non, normalement, c'est bon. Et le Chuchir, quand on le met, vous voyez, j'ai des spells qui coûtent 3, 4, 5 PA. On le met et il coûte désormais 2, 3, 4 PA et 1. Et si on crit avec une augmente, on a encore une réduction PA sur le premier spell. Bon, de toute façon, on n'a plus besoin de réfléchir. On va faire ça. Tac, tac. Et c'est fini. Bon, vraiment, on peut faster. Hein. Je vais essayer d'en refaire un en full fastant. Ça peut être rigolo. Donc, du coup, j'ai le sacrifice Kokoro. Je pouvais pas mettre le piou bleu parce que j'ai pas le spell haut qui me permettra de le mettre. Par contre, je pourrais mettre le piou violet. Donc, ça me fera un petit peu moins de réserve. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler. On fait pas de T2, on va faire un T3. Alors lui, je le fais taper là. Là, je peux aller ici. On va faire la fiole de rebond, qui va pas faire beaucoup de rebond. Pour le coup, c'est dommage. Ouais, du coup, ça fait petit gars en zone, mais on s'en fout. On met Tika, on tape avec. Mais comme je vous le dis, on s'en fout. On sacrifice instant. Et là, il me reste 3 PA à claquer dans ça. Donc là, je stack vraiment beaucoup de réserves. J'ai 5 points d'action en réserve. Je peux déjà mettre loup instant. Et l'idée, ce serait de peut-être dégager deux spells à 2 PA, lien d'amitié et prévention instant. Et je suis dégoûté parce que Rufus est mort. Je vais plutôt ici faire une action feu ou air, on s'en fout l'un ou l'autre, dans le but d'invoquer Chuchir. Et grâce à Chuchir, j'aurai des réducts PA et je vais davantage en profiter parce qu'en fait, si je mets loup, j'ai pas assez de place dans ma main pour que ce soit efficace. Bon, par contre, il faut que je tape en first, sinon c'est un peu bête, on perd des gars. Ok, du coup, je peux faire prévention là, impec, il va me rester beaucoup de PA finalement pour faire pas mal de choses. Hop, on enchaîne avec ça. On va pouvoir mettre un lien d'amitié aussi. On chouchoute nos compas. Hein. Plus on les chouchoute, plus on tape en fait. C'est ça qui est bien. Et avec ça, peut-être qu'on peut terminer avec cette action. Bon, vous voyez, on est quand même pas loin d'invoquer loup, hein, mine de rien. Ok, donc on tue deux mobs. Il en reste deux sur le terrain, on était trois. Tout s'est pas sans passer comme prévu, mais c'est rien. Au pire, tu repousses d'un tour. C'est pas la mort. Et puis c'est satisfaisant parce que mine de rien, tu restes full safe. T'as toujours des compas qui vont tanker pour toi si les mobs sont motivés à les taper. Là, ils avaient pas trop envie. On met loup, on tape, hop, on a encore plein de pioches. Et on enchaîne avec ce qu'on peut. Bon, c'est tout du coup pour cette présentation du Kokoro en deck 12. Je rappelle, si vous voulez jouer un Kokoro classique, faire ce que font les autres classes en moins bien, faut dire ce qui est. Bon, bah, vous jouez un deck 15, mais rappelez-vous que ce que vous faites sur un combat qui va durer 10 minutes avec un Kokoro deck 15, d'autres classes le feront en 3 minutes sur un T3 comme le Crack Spangol. Donc si vous utilisez la classe pour peut-être faire des strats en combo multi comme ce que je compte faire plus tard, profitez d'un deck 12 à mon avis et faites des combats très courts niveau 82 pour davantage XP. Et je pense que c'est comme ça que je vais orienter, comme je vous disais, mes vidéos Waven prochainement, c'est que quand je vous présente un perso, je vais essayer de vous dire précisément à quoi il sert et comment du coup le monter rapidement. Donc là, comment le monter rapidement avec un deck 12 sur des combats 82, du coup, Bwork, je pense que c'est vraiment un bon mob. Certains peut-être pourront me dire s'il y a un donjon intéressant à farmer.
Et en dehors de ça, c'est une classe qui permettra de faire des combos plus tard, notamment avec du scalpel, où en gros le Kokoro va proc le passif du scalpel et faire en sorte que le perso puisse gérer des gros combats de broche plutôt rapidement. Bref, c'est tout pour cette vidéo, vous laissez un pouce bleu et on se retrouve très vite sur Twitch ou sur YouTube.